d'être par un chercheur, il m'a semblé essentiel de poser des bases de connaissances pour notre recherche. Il fallait que les élèves soient au clair avec la signification du terme « réchauffement climatique », qui se représente plus concrètement les causes et les conséquences au travers d'exemples. Je voulais que les élèves trouvent également des informations sur l'océanographie et sur le métier de Renaud, de manière à pouvoir créer le jour de sa visite un échange plus construit, plus approfondi. De plus, je souhaitais que l'après-midi passé avec Renaud soit principalement consacré à la mise en place d'expériences pour avancer sur notre problématique. Pour poser toutes ces bases, j'ai proposé plusieurs thèmes de recherche à la classe qui a dû se répartir en groupes de 4 élèves. Une fois les groupes constitués, j'ai donné aux élèves des critères pour la présentation orale qu'ils feraient à la classe. Premier critère, la présentation ne devait pas excéder 10 minutes. Second critère, chaque membre du groupe devait prendre la parole au moins une fois. Troisième critère, les élèves devaient s'appuyer sur un support écrit avec au moins une image, photo ou illustration à présenter. Le dernier critère, et non le moindre, c'est qu'ils devaient être en mesure d'expliquer chaque mot qu'ils emploieraient durant leur exposé. À la fin de l'exposé, le groupe devait poser 2 ou 3 questions à la classe, puis à l'inverse, le reste des élèves pouvaient poser d'autres questions au groupe, ce qui est une bonne manière de vérifier la compréhension et la qualité de la présentation, l'élocution, la cohérence du propos, mais aussi de commencer à construire un questionnement qui conduira au choix de la question de recherche pour le projet. Pour ce travail, j'ai fourni à chaque groupe 2 ou 3 livres support en rapport avec leur thème d'exposé et ils avaient accès à l'ordinateur connecté de la classe pour pouvoir trouver uniquement les images ou photos pour leur présentation. Durant les 3 séances où les élèves ont travaillé, plusieurs groupes ont eu de vraies difficultés pour trier les informations à partir des livres support. Ce constat renvoie la nécessité de proposer aux élèves des séquences dédiées à la sélection des informations essentielles dans un document, mais également aussi à la capacité de justifier une réponse à partir d'éléments précis d'un texte. Le projet S'aventurier, et plus particulièrement la partie « Établir l'état de l'art », donne tout son sens à cet apprentissage.